Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par Waldata. Je suis Romain. Alors, le thème de ce soir, c'est la découverte de votre Wallmaster XE, votre outil d'aide à la décision. En assistant à ce webinaire, vous allez donc comprendre pourquoi votre Wallmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et surtout d'une grande efficacité. Rappel un petit peu sur l'histoire de Waldata, puisque Waldata est précurseur de l'analyse technique en France, et cela depuis 1986. Et Waldata offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc le Wallmaster XE est le logiciel qui répond entièrement à vos besoins, que vous soyez un débutant en bourse ou au contraire un investisseur avisé, vous disposez donc d'une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment. Votre Wallmaster XE vous permet de mettre en place facilement votre méthode de travail, les 5 étapes essentielles, sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Donc le programme de ce soir, nous allons faire 35-40 minutes sur les principales fonctionnalités du Wallmaster. Donc, je vous invite évidemment à être très actif, à poser vos questions pendant le webinaire. Et la deuxième partie du webinaire sera animée par Julie pour les questions-réponses, justement. Vous pourrez poser vos questions, revoir les choses qui sont peut-être qui demandent un peu plus d'efforts de votre côté. Alors, avant de commencer le webinaire, j'aimerais faire un sondage. Parmi les participants, quels sont ceux qui possèdent déjà le Wallmaster XE? Si vous pouvez me noter oui, ok ou je l'ai dans la fenêtre de chat, ce qui nous permet de savoir quels sont ceux d'entre vous qui possèdent déjà Wallmaster XE. Pour l'instant, presque tout le monde. Ah, ok, ok, très bien. Merci, merci de votre retour. Donc, vous êtes déjà nombreux à posséder déjà le Wallmaster. Je vois qu'il y a quelques clients potentiels. Donc, on verra à la fin de ce webinaire quelles sont les conditions d'acquisition de votre Wallmaster XE. Alors, là, j'ai ouvert le Wallmaster. Vous voyez, sur un des espaces de travail déjà existants qui s'appelle Tendance et Timing. Mais en attendant, je vais vous montrer quelles sont les parties les plus on va dire importantes de votre Wallmaster pour que vous ayez tous le jargon, hein, le jargon Walldata ou Wallmaster XE. Alors, ce que l'on appelle, nous, les market analyzers, c'est le nom de nos scanners de marché. Eh bien, c'est ce que vous avez sur la partie gauche ici, dans le rectangle bleu, ce sont les market analyzers, les scanners de marché, ce qui permet de sélectionner des valeurs en scannant un marché complet, en mettant en place ses critères, et c'est lui qui dégage pour vous les meilleures opportunités du marché. Ensuite, vous avez évidemment la partie graphique dans ce rectangle bleu ici, où vous pouvez voir la représentation de la valeur en bougie, en bar chart, mais surtout mettre en place des assistants visuels. Nous allons voir ensemble comment le faire pour tout de suite situer la valeur dans son contexte. Et la barre du haut, les onglets là-haut, ce sont les onglets qui vous permettent soit d'ouvrir différents market analyzers, différents graphiques, de passer vos ordres de votre Wallmaster, de faire votre étude chartiste. Donc nous allons voir ce soir en détail comment tout cela fonctionne. Alors la première étape, c'est d'ouvrir un espace de travail. Donc quand vous ouvrez votre Wallmaster, logiquement vous tombez sur cette page d'accueil. Si vous êtes déjà dans un espace de travail, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Démarrer » qui se trouve en haut à gauche, le bouton bleu ici, j'espère que tout le monde le voit. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez accès aux AT experts qui sont des méthodes prêtes à l'emploi, des méthodes additionnelles au Wallmaster. Vous aurez tout le temps pour les découvrir plus tard. Des AT helpers qui sont des espaces de travail d'aide à la décision. D'ailleurs, celui que j'ai ouvert qui s'appelle « Tendance et Timing » est inclus dans votre Wallmaster XE, c'est celui-ci. Voilà, tendance et timing. Ensuite, vous avez mes espaces de travail. Là, vous voyez que j'en ai déjà un paquet. C'est le Wallmaster qui sert au webinaire. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir créer un espace de travail différent, adapté à chaque marché ou à chaque période de temps sur lequel vous intervenez.
Et puis ensuite, vous avez préférence et quitter. Voilà, je vous laisserai découvrir les préférences de votre côté. Ce n'est pas l'objectif du webinaire, pardon, ce soir. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai ouvert, ce qui est vraiment l'espace de travail le plus simple quand on démarre dans son Wallmaster, c'est l'espace tendance et timing. Donc, je vous remontre pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est celui-ci qui vous donne la tendance des valeurs, la force de la tendance et le timing d'intervention. Donc, pour ouvrir un espace de travail, c'est tout simple. Il vous suffit de double-cliquer sur l'espace en question. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première étape via les market analyzers. L'étape de sélection, donc sélectionner grâce au market analyzer. Donc, on va se concentrer sur la partie de gauche au milieu de ma souris qui permet donc de scanner un marché. Vous voyez, il y a quatre colonnes importantes dans votre market analyzer. La première colonne, alerte et sélection, qui vous permet de sélectionner différentes valeurs, de vous créer des listes personnelles. Nous allons voir ensemble juste après comment ça fonctionne. La colonne information sur la valeur, qui vous donne les informations, donc le nom, le dernier cours, la variation, les volumes. La fameuse colonne tendance et timing, qui vous donne donc la tendance, la force de la tendance et la notion de timing d'intervention. Et la colonne WIPI, qui vous donne une information importante sur la pression. Voilà. Donc pour choisir un marché, la première étape, vous avez ici la case liste d'instruments. Liste d'instruments vous permet de choisir le marché que vous souhaitez sélectionner. Et donc pour ce faire, il suffit de cliquer dessus. Cet outil de sélection, le sélecteur d'instruments s'affiche. Et donc vous avez accès dans marché, à différents marchés mondiaux. Il vous suffit de double-cliquer sur celui que vous souhaitez ouvrir. Si je clique sur CAC 40, je vais le chercher, CAC 40, eh bien il vous scanne instantanément le CAC. Là, le CAC était déjà ouvert, donc il n'a pas eu besoin de calculer. Mais ça demande vraiment quelques secondes. Donc ça, c'est la première étape. Pour scanner un marché, liste d'instruments, vous choisissez le marché de votre choix, vous validez et votre market analyzer va scanner. Vous avez aussi la possibilité de scanner des secteurs. Secteur Euronext qui sont déjà intégrés, donc le secteur automobile, le secteur agroalimentaire, les sous-secteurs. Donc ça, je vous laisserai découvrir juste après de façon autonome tous les secteurs qui sont dans le Wallmaster. Mais voilà, la première étape, c'est de sélectionner le marché d'intervention. Là, je suis sur le CAC 40. C'est plutôt facile à voir puisqu'il y a écrit CAC 40 à cet endroit-là. Ensuite, il faut scanner le marché sur la période de son choix. Si vous le voyez bien, ici, il y a écrit dans période et durée, un jour, deux ans. Ça veut dire que le marché est analysé de façon journalière. Journalière, c'est bien pour les investisseurs moyen long terme. Pour les day traders, vous allez peut-être scanner le marché en 4 heures, en heures, en minutes. Vous pouvez même le scanner sur une période plus courte, tick par tick. Et pour les investisseurs très long terme, vous pouvez le scanner en semaines, voire en mois. Donc pour changer de période de temps, il vous suffit tout simplement de cliquer sur période et durée ici. Et donc vous avez différentes périodes de temps qui sont accessibles. On peut choisir de scanner le marché en 4 heures. Alors sur 2, 3 ou 6 mois, ça c'est vous qui choisissez. En jour, en semaine. Vous voyez là, je scanne par exemple, je choisis semaine sur 2 ans. Eh bien mon market analyzer en quelques secondes vient de scanner le CAC 40 et vient de classer les valeurs automatiquement par tendance. De la tendance haussière la plus forte à la tendance baissière la plus forte. Donc votre marché est scanné instantanément. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir scanner votre marché sur plusieurs périodes de temps, parce qu'il est bien de pouvoir couvrir pour un investisseur moyen long terme ou même pour un day trader différentes périodes de temps, ce qu'on appelle les unités principales, les unités majeures. Donc c'est multi-périodes, vous pouvez scanner le même marché en jour, en semaine et en mois ou en 4 heures, en jour et en semaine. Je vais vous montrer après comment se faire. Donc là, vous voyez, on est sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, on a les valeurs du CAC qui viennent d'être classées instantanément en semaine de la tendance haussière la plus forte à la tendance baissière la plus forte.
on va pouvoir classer ces valeurs via d'autres critères. Si vous souhaitez par exemple dégager celles qui viennent de subir un croisement de moyenne mobile ou celles qui présentent un RSI en zone de survente, il vous suffit d'ajouter une colonne dans votre Market Analyzer. Quand j'entends colonne, j'entends critère. Une colonne, c'est un critère de sélection. Pour ajouter une colonne, eh bien, c'est le bouton que l'on trouve ici. Et donc, vous allez cliquer dessus et avoir accès à une centaine de critères. Je vais vous montrer. Si je clique sur « Ajouter une colonne au Market Analyzer », vous voyez, j'ai 65 colonnes possibles. Donc, tout existe, les Bollinger, le RSI, les moyennes mobiles, MACD, etc. Imaginez, je travaille sur le CAC 40. Je souhaite savoir quelles sont les valeurs du CAC dont les deux moyennes mobiles avec lesquelles je travaille habituellement se croisent. Eh bien, je vais choisir MMA, moyenne mobile arithmétique, croisement de deux MMA. Ouvrir. Là, vous notez les moyennes mobiles avec lesquelles vous travaillez. Donc, par exemple, la moyenne mobile 50 pour la courte et la moyenne mobile 200 pour la longue. Vous faites OK. Et votre Market Analyzer s'est garni d'une nouvelle colonne. Ici, je vais me remettre juste en jour. Voilà, c'est garni d'une nouvelle colonne, croisement de moyenne mobile, de MMA. Bon, là, il n'y a aucune valeur qui nous concernait, aucune valeur vient de subir un croisement de moyenne mobile. Mais si une valeur comporte cette configuration technique, elle va venir en tête de liste de votre Market Analyzer. Pour supprimer une colonne, admettons, vous avez installé la colonne croisement de 2 MMA, mais vous n'en voulez plus. Vous voyez, vous avez un petit bouton qui ressemble à un V à l'endroit où j'ai mon curseur. Vous cliquez et vous faites supprimer la colonne. Et là, la colonne est supprimée et le Market Analyzer se recalcule. On va essayer avec un autre critère. Donc, je vais chercher par exemple RSI. Il me demande mes conditions d'RSI. Donc, la condition de base, c'est un RSI sur 14 périodes avec un niveau de surachat de 70 et un survente de 30. OK. Et donc, toutes les valeurs qui sont soit dans la zone de survente ou soit dans la zone de surachat, en cliquant sur notre colonne qui nous intéresse, le critère qui nous intéresse, viennent en tête de liste. Donc là, je vois instantanément que le Crédit Agricole est en tendance baissière, que c'est faux orange, donc qui commence à être trop tard pour intervenir à la baisse, et qu'en plus, le RSI est dans la zone de survente. On voit qu'en jour, le RSI est à 26,56. Donc, il est possible qu'il se passe un retournement sur le Crédit Agricole et bah, il peut être bon de commencer à regarder pour se positionner à l'achat. Donc c'est vraiment à vous de construire le Market Analyzer qui vous intéresse avec vos propres critères. Mettez des choses simples évidemment pour démarrer, mais c'est sans limite. Hein, vous pouvez vous mettre autant de critères que vous voulez. Je vais revenir à un Market Analyzer plus simple avec donc la tendance et le timing d'intervention. Là, vous voyez, donc le CAC 40 vient d'être analysé en mettant la tendance haussière la plus forte à la tendance baissière la plus forte. Qu'est-ce que cela signifie? La flèche, quand je passe ma souris sur la flèche, ou n'importe où d'ailleurs dans votre Wallmaster XE, tout est expliqué, décrypté. Il y a toujours ce que l'on appelle, nous, les AT-Sense, qui sont simplement des infobulles qui vous affichent les choses. Donc là, c'est très simple à comprendre, mais c'était bien de le décrire. Une flèche verte vers le haut, ça veut dire que la tendance est haussière. À côté, la graduation, là, les espèces de notes vertes, bah, c'est une graduation de 1 à 10 sur la force de la tendance. Par exemple, pour Solvay, la valeur numéro 2, on est en tendance haussière, mais une faible tendance. On arrive à la fin de la tendance haussière. Sur Carrefour, la tendance haussière est encore de 50%. Donc, on est sur une tendance haussière qui est encore assez forte, qui est à sa moitié. En ce qui concerne le fameux timing d'intervention, c'est vrai que c'est très pratique, c'est une analyse technique faite pour vous, qui d'ailleurs, pour les puristes, est calculée sur trois moyennes mobiles, le RSI, le stochastique. Eh bien, on voit que sur Carrefour, c'est feu rouge. Quand je passe ma souris sur le feu, c'est écrit « timing, il est trop tard pour intervenir ». Ça, c'est très important parce que vous pouvez investir et gérer votre portefeuille grâce à des conseils, notamment ceux d'Agora, par exemple, avec qui nous avons fait un webinaire la semaine dernière, ou d'autres personnes, des amis qui vous donnent des conseils, etc. Il y a toujours un délai entre le moment où il faut agir et le moment où vous lisez le conseil. Donc l'analyse technique, son principal rôle, c'est de vous donner la notion de timing d'intervention.
Et votre Wallmaster XE, ce qui est fabuleux, c'est qu'il vous traduit tout cela sous forme d'un feu tricolore. Donc là, ce qu'on voit sur Carrefour, tout simplement, ben, c'est que la tendance, elle est haussière. Effectivement, ça monte, mais oulala, attention, il est peut-être un peu tard pour se positionner. Donc voilà, ça va vous empêcher de commettre des erreurs et notamment de se positionner sur des valeurs dont il serait trop tard pour agir. À l'inverse, on voit Vallourec par exemple, ou Renault. On est sur une tendance baissière qui vient de débuter là sur Vallourec. D'ailleurs, on a eu un énorme gap ici, mais c'est feu vert. Le timing est bon pour intervenir sur Vallourec à la vente. Vous voyez ? Dernière chose qui est très importante sur les market analyzers, parce que là on a 40 valeurs. Admettons, voilà, je veux que mon market analyzer, peu importe, j'ai le droit avec mon broker, alors quand je dis je, hein, je parle pour vous, j'ai aussi bien le droit de vendre que d'acheter. Je veux savoir sur le CAC, peu importe le mouvement, mais quelles sont les valeurs sur lesquelles il est encore OK pour se positionner. Quelles sont celles qui sont feu vert? Pour ça, c'est très simple. Vous avez un petit bouton, je vais vous le montrer avec mon outil de dessin. C'est un bouton ici qui représente un petit marteau et une petite clé à molette. Si on clique sur ce bouton, j'ai, on va dire, les paramètres de ma colonne WTI. Donc, la partie du haut, ça vous explique comment tout cela est calculé. Vous pourrez évidemment le personnaliser, mais ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est la partie du bas, dans le rectangle du bas, option de sélection. Là, toutes les colonnes, toutes les cases, pardon, sont cochées. Donc, le Market Analyzer affiche toutes les valeurs. Si je décoche le jaune, le rouge, le jaune et le rouge, et que je laisse uniquement celles dont c'est feu vert en tendance haussière et feu vert en tendance baissière, et que je fais valider, le Market Analyzer scanne toujours le même marché et isole tout de suite les valeurs qui présentent un bon timing d'intervention. Donc là, sur 40 valeurs du CAC, eh bien, il y a 4 valeurs sur lesquelles il est encore bon de se positionner. Là, en l'occurrence, à la vente. Mais tout de suite, il nous a dégagé 4 valeurs. On va changer de marché. On va aller voir sur le SRD qu'est-ce qu'il nous dit avec les mêmes conditions. Je veux uniquement celle dont c'est le bon moment pour agir. Donc, rappelez-vous, je choisis le SRD. Je double-clique. Il analyse les 120 valeurs là en quelques secondes. Sur 120 valeurs, j'en ai 21 qui présente un timing d'intervention optimal. Et une seule, CFAO en l'occurrence, qui est en tendance haussière et qui présente un bon timing d'intervention. D'ailleurs, le petit new me montre que c'est un début de tendance. Donc là, sur CFAO, on est sur un début de tendance haussière. Donc voilà, amusez-vous à faire des sélections, à rajouter des critères, à mettre en place votre stratégie, à changer d'unité de temps. Je vous invite, voilà, à aller voir. Vous pouvez vraiment personnaliser votre market analyzer, mettre en place votre stratégie pour sélectionner instantanément les valeurs qui présentent le plus de potentiel. Nous allons voir la seconde étape, la partie analyse dans les écrans graphiques. Mais avant tout, j'aimerais savoir si vous avez des questions sur les market analyzers. Profitez-en dans la fenêtre de chat. Une question de Philippe notamment. Alors oui, vous allez pouvoir mettre autant de critères que vous le souhaitez. Le but, c'est d'avoir un market analyzer avec quelques critères, hein, pas un qui prend tout l'écran, mais bien sûr. Je vois pas de questions. Ah oui, alors question de Jackie Michel. Donc en ce qui concerne le marché américain, vous avez accès à tous les marchés mondiaux à travers Wallmaster XE. Donc il suffit de cliquer sur marché et puis d'aller chercher le marché US. On peut aller chercher le Nasdaq par exemple, Nasdaq 100. Je double-clique et il fait la même chose. Il a scanné le Nasdaq, voilà. Et donc, sur le Nasdaq, j'ai sur 100 valeurs sur le Nasdaq 100, j'en ai une vingtaine qui sont feu vert. On va retourner sur le CAC, hein. Ça va être plus simple pour tout le monde, pour on connaît plus les valeurs françaises que les valeurs US. Mais rassurez-vous, Rose, tous les marchés sont accessibles à travers le Wallmaster. Market Analyzer en intraday, bien sûr, vous pouvez, il suffit de changer de période de temps. Là, vous voyez sur la partie gauche du market, je suis en jour sur 2 ans, je clique. J'ai l'habitude en intraday, par exemple, d'analyser le marché en heure ou en 4 heures. Eh bien, je choisis 1 heure sur 1 mois.
Eh bien, il m'a scanné le marché, boum, en heure. Donc, vous allez pouvoir, que vous fassiez de l'intraday, que vous fassiez du scalping ou du très long terme, tout le monde peut se servir du Wallmaster. Alors, en ce qui concerne la colonne WTI, c'est cette colonne de timing développée par Walldata, le WIPI effectivement donne la pression. Je vois pas de contradiction, même si effectivement il y a des choses qui demandent plus de précision. C'est pour ça qu'il est bien de mettre les assistants visuels dans la partie graphique. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, on est sur une tendance baissière sur Carrefour, alors que la pression est encore tenue par les acheteurs. C'est vrai, ça peut être contradictoire, mais voilà, aujourd'hui, on va voir comment essayer d'affiner son choix. Donc, on va passer à la partie graphique. De toute façon, Julie prend la main après moi ce webinaire pour vraiment échanger, hein. Vous êtes encadré par Walldata tout au long de la prise en main du Wallmaster. Je vous en profiterai pour poser toutes vos questions. On va se mettre sur AXA par exemple. Donc AXA, qu'est-ce que l'on voit? Tendance baissière très forte. Ou Capgemini, allez, ça va être plus simple. Capgemini, tendance baissière qui est encore de 40%. Bon timing d'intervention. Pression tenue par les vendeurs. Maintenant, dans la partie graphique, il faut déjà vérifier que vous êtes sur la même période de temps que votre market analyzer. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer avec la petite flèche, toujours mon petit outil de dessin. Vous voyez, ici nous sommes en jours sur 2 ans. Il est important que votre graphique soit sur la même période de temps. Si vous analysez le marché en 4 heures et que vous mettez votre graphique en jours, effectivement, ça va donner des choses différentes. Donc déjà, surveillez que vous êtes bien sur la même période de temps ici. Donc dans le graphique, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? On a la représentation des cours en bougies. Vous avez tous entendu parler des assistants visuels qui sont très très pratiques pour tout de suite situer la valeur dans son contexte. Pour les activer, il vous suffit de cliquer sur la baguette magique qui se situe à cet endroit. Je vais mettre la petite loupe. La baguette magique, vous la voyez, pour afficher la liste des assistants visuels. Donc on clique sur la baguette magique. Voilà, donc vous avez une liste d'une vingtaine d'assistants visuels. Les plus importants, on va les activer. On va activer déjà Chart Expert Lite. Donc je clique une fois sur Chart Expert. Je fais ajouter assistant. Vous validez, et là automatiquement, le meilleur support et la meilleure résistance les plus proches du cours sont tracés par votre Wallmaster. Hein, les supports, les résistances sont des niveaux de prix importants. Là, ils viennent d'être instantanément tracés. Et on voit d'ailleurs que Capgemini vient de franchir à la baisse un ancien support qui devient une résistance. Mais en tout cas, ça vous aide tout de suite à situer la valeur dans son contexte. Un deuxième assistant visuel qui est très très bien, vous irez le chercher, vous irez le mettre dans votre espace de travail, c'est un conseil, c'est probabilité de retournement. Si je l'ajoute, je valide, dans notre espace de travail, on a la probabilité de retournement de la valeur. Là, on voit qu'il n'y a aucune probabilité de retournement. Je vais changer de valeur par exemple pour voir si on a un exemple très concret. Bah, sur Capgemini, on voit ce que la tendance en jour est baissière, la tendance majeure en semaine est neutre et il n'y a pas de probabilité de retournement à la hausse. Donc, je peux commencer à me positionner à la vente puisque une analyse technique a déjà été faite pour vous sur différents indicateurs, hein, sur RSI, le stochastique, DMI, les moyennes mobiles. Là, il y a peu de probabilité de retournement. Si on regarde une autre valeur, on va regarder par exemple Vallourec. Vallourec qui présente une tendance baissière qui débute avec un bon timing d'intervention, mais bien une probabilité de retournement d'1 sur 10 qui reste assez faible. Mais on va essayer de trouver un exemple concret en enlevant le filtre, en affichant toutes les valeurs. Et j'ai recliqué sur le marteau et j'ai recoché afficher toutes les valeurs de la liste. Cet assistant visuel est parfait parce que on va trouver, voilà, un exemple concret. On est sur Solvay. Un ami vous conseille Solvay en disant: ah oui, on est en tendance haussière sur Solvay, c'est génial, il faut se positionner. Votre Wallmaster vous dit attention, en jour il est trop tard pour agir, et en plus, l'analyse technique faite pour vous vous donne une probabilité de retournement de 9 sur 10. Donc ça sert à quoi cet assistant? Soit d'éviter de faire une erreur, ou si on s'est positionné sur Solvay il y a quelques jours, quelques semaines, on a une probabilité de retournement de 9 sur 10, donc il serait peut-être temps de prendre ses bénéfices.
Voilà. Avez-vous des questions en ce qui concerne les assistants visuels? Bon, je vous laisserai aussi tranquillement découvrir hein, de façon autonome tous les assistants visuels qui existent. Alerte, on va voir après à quoi ça sert. Vous avez différentes choses. Le but, c'est voilà, c'est de mettre dans son espace de travail toutes les informations qui vous concernent, qui vous sont utiles pour une bonne prise de décision. Donc maintenant, on va passer aux indicateurs. Comment ajouter un indicateur dans notre partie graphique? Il y a deux solutions, parce qu'il y a deux types d'indicateurs. Vous avez les indicateurs qui viennent se greffer sur les prix, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, toutes ces choses qui viennent dans le même écran que nos bougies japonaises. Donc pour ça, vous allez cliquer à côté de la baguette magique, je vais bien vous montrer. Vous allez cliquer ici, sur le bouton qui représente une petite courbe. Avec la loupe, je montre, c'est ce bouton-là. Vous cliquez dessus, vous allez choisir, eh bien, tout simplement l'indicateur qui vous intéresse. Admettons bande de Bollinger. Donc soit vous cherchez avec l'ascenseur, soit vous tapez bande directement ici. Bande de Bollinger, validée. Et une bande de Bollinger est venue se greffer à mon graphique. Maintenant, si vous souhaitez ajouter un indicateur qui a une autre échelle, comme le RSI ou stochastique par exemple, eh bien, vous allez cliquer à un autre endroit, je vous montre, toujours avec mon petit dessin. Vous allez cliquer sur le marteau qu'il y a ici. Et ensuite, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre, la petite fenêtre qu'on a en haut de notre écran, là, dans mon carré bleu. Vous allez cliquer sur Ajouter indicateur qui se trouve là. Et donc, toujours pareil, la liste des indicateurs disponibles s'affiche. Admettons, je souhaite afficher le RSI. Je tape RSI, je clique sur le RSI, je valide et mon espace de travail vient se garnir d'un RSI. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Je recommence. Ah, ce sont les aléas du direct, hein, forcément. Je recommence. Donc là, ce sont des traits qui ont été faits lors d'un autre webinaire. Je vous demanderai de ne pas prêter attention. Donc on est toujours sur Valourec. On souhaite ajouter un indicateur, le RSI. Vous validez. Et voilà, votre RSI est venu se greffer sous votre graphique. Ensuite, vous venez affiner votre écran en passant votre souris juste au-dessus du RSI. Vous allez pouvoir modifier visuellement l'écran, voilà, pour avoir quelque chose de cohérent. Vous savez mettre un indicateur. Donc, je répète, pour mettre un indicateur dans le graphique, c'est le bouton qui est ici qui représente une petite courbe, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, etc. Pour ajouter un indicateur en dessous, comme les indicateurs type momentum, RSI, les oscillateurs, etc., c'est via le marteau. Et ensuite, dans le petit rectangle qui s'affiche, ajouter un indicateur. Bon, là, on voit sur Valourec, ces feux verts, on est en tendance baissière. Le RSI n'est pas dans sa zone de survente. Admettons, vous souhaitez prendre une position à la baisse. Vous souhaitez vendre Valourec. Dans votre Wallmaster, ce qui est génial, c'est que vous avez un assistant de money management qui va vous permettre de mettre en place un objectif, un stop de protection. Déjà, en ce qui concerne les alertes, vous avez vu qu'il y avait des petites cloches au-dessus du support et de la résistance. Pour activer les alertes sur ces niveaux de prix importants, admettons, vous souhaitez être alerté quand la valeur va toucher son support, eh bien, vous avez juste à cliquer sur la cloche ici du support. La petite cloche devient jaune. Une alerte vient d'être mise sur le support. Si vous souhaitez prendre une position sur Valourec chez votre broker, vous allez d'abord, avant de passer votre ordre, vous allez d'abord, dans l'onglet Ordre et portefeuille qui est ici, créer votre portefeuille. C'est important. Pour créer un portefeuille, vous faites ouvrir, créer un nouveau portefeuille.
On va l'appeler portefeuille fictif. Vous validez. Donc là, vous voyez gestion de portefeuille, portefeuille fictif. L'intérêt, c'est que vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Et pour répondre à la question de Joseph, vous pouvez mettre autant d'indicateurs que vous le voulez. Vous pouvez mettre autant de graphiques même en onglet, les uns au-dessus des autres. Donc, création de portefeuille. Ensuite, opération. Achat ou vente de titres. Et donc, vous souhaitez vendre Valourec. Donc, vous faites vente à terme. Vous choisissez le nombre de titres. Admettons, je souhaite vendre 100 titres de Valourec. Vous notez vos frais qui correspondent aux frais de votre broker. Et vous avez Money Management. Vous cliquez dessus. Vous notez votre cible. Là, donc, sur Valourec, on est à 32,90. Admettons, je vais chercher, allez, je vais aller chercher juste un petit peu au-dessus du support. Je vais aller chercher 31,20. Le stop, d'après mon analyse technique, je vais mettre un stop à 33 euros par exemple. Donc vous notez 33 euros. Voilà. Il vous calcule votre gain net et votre perte nette. Donc là, dans notre cas, dans le cadre où on achète, on vend, pardon, 100 Valourec, on va avec notre analyse chercher 31,20 €. Donc on va gagner 166 ou au pire des cas perdre 13 euros. Vous pouvez même avec option avancée antidater les opérations pour ceux qui viennent d'acquérir le Wallmaster et qui souhaitent reproduire leur portefeuille actuel. Et donc, en validant, mon écran graphique s'est garni de deux choses. Je zoome un petit peu. C'est garni d'un trait horizontal rouge qui est l'endroit de mon stop. Donc, si la valeur touche mon stop, je suis alerté. Vous pouvez choisir par mail, par SMS ou par un son. Mon objectif, ma cible à 31,20 €, pareil, est visible sur mon graphique. Et j'ai un petit logo VT qui, en passant mode souris dessus, me réexplique qu'est-ce que j'ai fait comme opération. Le 11 juillet 2014, j'ai vendu 100 Valourec, le prix le cours actuel, le cours de l'époque et surtout le prix unitaire qui est le montant du titre plus de vos frais. Donc ça, ça vous permet d'encadrer efficacement vos positions ouvertes. Et il y a une superbe astuce dans votre Wallmaster, on en a déjà parlé. C'est vrai que certains d'entre nous, j'en suis le premier concerné d'ailleurs, ne savent pas toujours où mettre les stops. On le met trop près, il est touché à chaque variation du marché. On le met trop loin, il n'est jamais touché. Bon, on a pensé à tout, Aldata a développé pour vous un indicateur, donc à aller chercher dans le courbe ici, qui s'appelle stop de protection optimale, que vous pouvez ajouter dans votre graphique, qui va tout simplement calculer la volatilité du titre et vous proposer un stop optimal en fonction de cela. Donc le stop le plus judicieux possible. Donc là, vous voyez, j'ai un stop optimal. Je vais le montrer pour que tout le monde le voit correctement. Donc ici, j'ai un stop optimal qui vient d'être mis et j'ai surtout l'assistant de mon stop ici. Là, je souhaite vendre. Le Wallmaster me propose un stop acheteur. Donc, je vais changer de stop. Je vais mettre un stop vendeur puisque je vends. Donc, pour ça, vous avez juste à cliquer sur votre assistant. Cliquez une fois, il vous propose un stop vendeur. Vous recliquez, il éteint le stop. Vous recliquez une troisième fois, il vous propose un stop acheteur. Si on achète, on met un stop acheteur. Si on vend, on met un stop vendeur. Donc, là, le stop vendeur optimal en fonction de la volatilité de ce titre est proposé à 33,790 €. J'avais mis un stop à 33, eh bien, ça me permet de me rendre compte que mon stop a été posé un peu trop près et qu'il aurait été touché à la moindre variation. Voilà, vaut mieux utiliser le stop directement proposé par le Wallmaster. Et ce qui est intéressant, c'est que ce stop, je peux le mettre sur alerte d'un simple clic de souris. Il suffit de cliquer. Je vous remontre exactement où. Sur l'assistant du stop. Donc l'assistant du stop, c'est ce petit cadre-là. Et vous avez une cloche ici. En cliquant sur la cloche, votre stop est mis sur alerte également. Donc là, j'ai mon stop à 33 € qui m'envoie une alerte. J'ai le stop optimal un petit peu au-dessus. J'ai ma cible et j'ai mon support. Voilà, là, quoi qu'il se passe, vous êtes alerté. Pour choisir comment vous êtes alerté, il faut auparavant, avec la baguette magique, bien mettre l'assistant visuel alerte qui vous met cette cloche ici.
Vous faites un clic droit dessus, éditez une alerte, vous choisissez l'alerte à modifier, par exemple mon stop, OK, et vous choisissez la façon dont vous voulez être alerté, soit par un pop-up, soit par un son, et là il vous invite à choisir le son en question, soit par un mail, et il vous demande votre adresse mail, soit par un SMS, 06 06 06 06 06. J'ai coché un pop-up et un SMS. OK, c'est bon, je peux faire autre chose. Je peux me consacrer soit à d'autres opportunités ou soit à autre chose que la bourse. Si ma cible est touchée ou si mon stop est touché, je reçois un SMS sur mon portable. Donc, je suis serein. L'intérêt, c'est que vous pouvez mettre des stops, c'est vrai, chez votre broker. Mais parfois, on met un stop de protection chez son broker. Il y a une volatilité sur un titre. Le stop est touché chez le broker, la position est clôturée alors que vous, à la base, vous ne souhaitiez pas vendre. Et donc, on voit que derrière, ça a remonté un peu, vous êtes un peu frustré. Là, l'intérêt, c'est que le stop chez Wallmaster XE sur votre outil vous envoie un SMS qui vous oblige certes à venir voir ce qui se passe, mais qui vous laisse maître du jeu, qui vous laisse prendre la décision finale, clôturer ou pas. Évidemment, après avoir analysé la valeur, les assistants visuels, la probabilité de retournement, vos indicateurs, etc., etc. Est-ce que c'est clair pour la partie passage d'ordre dans le Wallmaster? Alors là, c'est pour reporter vos opérations. Vous avez aussi le broker access pour accéder directement au passage d'ordre chez votre broker. Je vous laisse le configurer, c'est assez simple. Configurer broker access, vous choisissez votre broker, par exemple Boursorama, suivant, votre forfait chez Boursorama, votre identifiant, votre mot de passe, et vous pouvez directement passer les ordres chez Boursorama. Ça, c'est très facile, je vous laisserai le découvrir tout seul. Mais reporter ses ordres dans son Wallmaster, ça permet d'avoir sur son écran graphique l'ensemble de ses positions avec l'historique, les stops, les alertes, etc. Mais aussi, en cliquant sur « Suivi », je vous rappelle, « Suivi », c'est le bouton que vous avez là, d'avoir un compte-rendu clair de son portefeuille. L'outil de suivi nous ouvre le CAC 40, c'est normal. Comme un market analyzer, vous changez de marché, donc vous cliquez sur liste d'instruments, mes portefeuilles, portefeuille fictif, et là je vois le bilan de ma position sur Valourec. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir suivre d'un coup d'œil l'ensemble de vos lignes sur ce suivi. Si vous avez une position, 10 positions, 100 positions ouvertes, vous allez d'un coup d'œil pouvoir toutes les surveiller. Et surtout, quand vous cliquerez sur une des positions dans l'outil de portefeuille, la valeur va automatiquement s'afficher sur le graphique. Et donc, vous avez tous les outils nécessaires pour verser de l'argent dans votre portefeuille, retirer de l'argent, noter les frais de gestion, noter les attributions de titres, de droits, de dividendes. Voilà, pour assurer un suivi rigoureux du portefeuille, vous pouvez découvrir cela tranquillement. Et donc, pour terminer, c'était l'étape numéro 3, mais dans l'onglet graphique, vous avez tous les outils nécessaires pour faire votre étude chartiste, donc vos tracés de tendance. Voilà, votre tracé de tendance, si vous le voulez. Voilà, vos Fibonacci. Vous avez la possibilité de mettre des repères sur votre graphique, des petites flèches, etc., etc. Voilà, vous pouvez découvrir tous ces outils, dupliquer une ligne pour construire vos canaux, supprimer des choses. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour étudier tranquillement votre valeur, à votre rythme et dessiner directement sur les graphiques. Alors, pour répondre à la question de Joseph, c'est vrai que j'ai montré brièvement l'outil Broker Access. Il faut le configurer, c'est sa première étape. Donc, c'est-à-dire que vous choisissez votre broker et d'abord, vous notez votre identifiant, votre mot de passe. Là, j'ai noté n'importe quoi parce que c'est un webinaire de démonstration. Mais vous devez noter, bien sûr, vos identifiants et votre mot de passe avant de passer votre ordre chez votre broker. C'est normal. En ce qui concerne l'outil de portefeuille dans lequel j'ai mis des alertes, là, c'est le Wallmaster qui enregistre votre ordre. Nous ne sommes pas broker, donc vous êtes dans votre Wallmaster. Il n'y a pas besoin de noter ces identifiants. Mais effectivement, avec le broker access, il faut bien sûr noter vos identifiants, votre mot de passe. Dernière chose importante, vous avez l'onglet aide et le centre de support, la petite bouée. Si vous cliquez dessus,
Il y a un programme du nom de TeamViewer qui va s'afficher à votre écran. C'est l'outil qui nous permet de prendre la main sur votre poste. Si vous avez une question, besoin d'aide dans la manipulation, sachez que l'équipe technique Waldata est à votre disposition tous les jours, de 8h à 17h. Donc, pensez à ouvrir le centre de support, ce qui permet à l'équipe technique de prendre la main sur votre poste. J'espère que c'est clair pour les manipulations principales du Wallmaster. Je vous laisse découvrir les différents indicateurs disponibles, tous exactement, les différentes colonnes, les market analyzers. Je vais passer la main à Julie qui va continuer les questions-réponses. Mouvement de portefeuille, ça sert à quoi? Ah, je vais y répondre quand même. Tout simplement, là, vous voyez, j'ai ouvert un portefeuille fictif. Et si je vais dans le suivi, mon portefeuille est de 0 euros. J'ai rien. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir mettre de l'argent dans votre portefeuille. Imaginez, vous avez 100 000 euros ou même vous voulez vous faire un portefeuille de démonstration avec 100 000 euros. La première étape, c'est de faire mouvement versement et de mettre 100 000 euros dans votre portefeuille et de valider. Comme ça, si je reclique sur suivi, je vois bien que mon portefeuille est alimenté de 100 000 euros. Et donc, vous allez pouvoir aussi faire des retraits. Donc, c'est pour indiquer à votre portefeuille tout ce qui se passe réellement sur votre vrai portefeuille, sur votre PEA, sur votre compte-titre, pour avoir un outil rigoureux. Pour répondre à Alexis, ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter directement juste après ce webinaire. Là, je vais passer la main à Julie. Donc, vous pouvez déjà m'appeler dans quelques minutes, dans 2-3 minutes. Je vous redonne le numéro de téléphone de Waldata. C'est le 01 58 71 21 99. Je vais vous expliquer les conditions d'acquisition. Alexis, vous pouvez m'appeler dans 3 minutes. Je passe la main à Julie pour les questions-réponses. J'espère en tout cas que c'était bien clair pour vous sur ses principales fonctionnalités. Le webinaire est bien sûr enregistré. Donc, ceux qui souhaitent le revoir, il sera disponible sur le site à partir de mardi. Il y a d'ailleurs des webinaires déjà prêts sur le site de Waldata. Il y en a une cinquantaine donc sur des fonctions plus spécifiques du Wallmaster. Pour ça, je vous invite à aller sur waldata.fr et d'aller voir vidéo. Et merci Régis pour la remarque. Je passe la main à Julie. Je vous souhaite à tous en tout cas un excellent week-end, un bon 14 juillet. Merci de votre temps et à très bientôt. Merci Romain, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Julie. J'aimerais savoir sur quels éléments vous souhaitez revenir, quelles sont vos questions, et puis comme ça que ce soit un petit peu interactif et puis qu'on y réponde. Alors, je vois qu'on a Joseph qui demandait combien d'indicateurs peut-on ajouter dans le Wallmaster. Donc, vous pouvez ajouter autant d'indicateurs que vous souhaitez. Faites attention, bien sûr, que votre graphique soit lisible. Donc, vous pouvez bien sûr les ajouter, comme l'a montré Romain tout à l'heure, soit depuis ici, le petit bouton avec la petite courbe, pour l'ajouter dans cette partie graphique, soit, bien sûr, en utilisant la clé de marteau en haut à droite pour ajouter n'importe quel indicateur dans son propre espace. Et puis sachez aussi que grâce au bouton AP, vous pouvez modifier les périodes de chaque indicateur. D'accord ? On a une moyenne mobile 10, si on la bouge, vous la voyez visuellement aussi bouger pour la mettre dans sa meilleure configuration pour que vous puissiez trader. Alors, Didier me demande comment créer un graphique. Alors, c'est très simple. Pour créer un graphique, il vous suffit d'aller en haut dans l'onglet Outils, d'accord, de soit cliquer dans Graphique et de choisir un graphique de base, par exemple. Vous voyez, donc graphique de base, ouvrir. Ce graphique de base, vous allez le mettre soit sous forme d'onglet, soit sur le côté ou en haut ou à droite, c'est vous qui choisissez le meilleur emplacement. Il vous suffit de cliquer ici, donc sur la barre bleue, de garder le doigt appuyé sur votre souris et de le diriger vers le losange qui s'affiche et de choisir où vous voulez le mettre. Si vous lâchez la souris au milieu, il se met sous forme d'onglet. Si vous mettez en haut, il va se mettre au-dessus de celui qui est actuellement en place, sur la droite, sur la gauche, c'est vous qui choisissez. Donc là, si je lâche la souris, donc je vais le mettre au milieu. On a en bas donc deux graphiques qui sont en place. Alors on m'a modifié en plus mon graphique de base, donc je vais juste supprimer toutes les lignes. Donc ça, c'est la première possibilité pour créer son propre graphique. Et puis après, vous ajoutez ce que vous voulez dedans. Sachant qu'en cliquant ici sur la petite clé et le marteau, d'accord,
en haut à gauche, ça vous permet de choisir l'allure. Si vous voulez la représentation en chandelier ou autre, vous cliquez ici sur « Représentation », vous avez les barres chartes, le Elkinashi, la courbe, le chandelier, etc. Vous pouvez bien sûr aussi modifier les couleurs. Là, on voit qu'on a les chandeliers verts pour les haussiers, les chandeliers rouges pour les baissiers. Si vous choisissez de vous les mettre en bleu, en hausse, et puis en rose, allez, soyons fous, pour la baisse, vous choisissez votre façon de créer votre graphique. Ou sinon, vous avez la possibilité aussi d'aller dans le menu « Démarrer » en haut à gauche de votre Wallmaster, d'aller dans « Mes graphiques », et puis de soit en ouvrir un que vous avez déjà créé, soit d'en faire une copie pour le modifier à son tour. Voilà. Mais la base de la base pour créer un graphique, vous devez bien sûr partir de l'onglet « Outils »,« Graphiques ». Vous choisissez celui qui vous intéresse et puis vous le modifiez au fur et à mesure suivant vos envies et puis votre stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question? Donc, créer un graphique. À votre avis, quels sont les plus performants? Alors, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas analyste chez Walldata. Donc, j'aurais du mal à vous dire quels sont les graphiques les plus performants ou les indicateurs les plus performants. Pour cela, je vous invite à ce moment-là à nous appeler et puis on vous prendra rendez-vous avec l'un de nos analystes pour voir par rapport à votre profil et par rapport à votre timing d'intervention quelle est la meilleure stratégie à adopter puis la meilleure optimisation pour votre Wallmaster. On me demande un zoom sur les graphiques. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, Joseph? On me demande si ce logiciel fonctionne sous Linux. Ce logiciel est entièrement dédié majoritairement à un PC Windows. Il peut être utilisé sous Mac avec un émulateur. Sous Linux, je n'ai pas la réponse immédiatement. Je vais me renseigner et puis on vous tient informé dès qu'on a la réponse. Alors, Roger me demande pour afficher les supports et résistances. Alors, support et résistance, la détection automatique des chandeliers ou autres, ça vient des assistants visuels, d'accord? C'est pour appuyer vos prises de décision, pour avoir des outils complémentaires dans vos choix d'achat ou de vente. Donc, un assistant visuel, vous le trouvez en haut à gauche dans la petite baguette magique, d'accord? Vous cliquez dessus et ensuite, vous sélectionnez donc le Chart Expert Lite qu'on a déjà mis ici, d'accord? Donc, je vais faire enlever assistant. Valider. Donc on a un graphique vierge, on va sur notre baguette magique, on choisit le Chart Expert Lite, on clique sur Ajouter assistant, on valide. Voilà, et c'est comme ça qu'on ajoute votre support et votre résistance. Après, si vous voulez les tracer vous-même, vous allez tout en haut dans l'onglet graphique, et puis vous pouvez faire vos tracés chartistes avec la ligne horizontale ou oblique ou comme vous souhaitez. Peut-on enregistrer son propre modèle de graphique? Tout à fait. Alors, pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur le graphique, enregistrer l'écran, d'accord? Et par la suite, vous pouvez lui donner un nom. On va l'appeler Julie, par exemple. Voilà. Cliquez ensuite sur « Enregistrer comme nouveau modèle ». OK. Vous validez. Et maintenant, si je retourne tout en haut dans l'onglet « Outils graphiques », on va voir mon graphique personnel qui va s'appeler Julie. Donc si je clique dessus et que je l'ouvre, j'ai exactement le graphique qu'on vient de créer. Alors, Alain, vous n'avez pas de broker actuellement. Alors, dans le broker Access, malheureusement, on ne pourra pas mettre votre banque. Par contre, on peut faire en sorte de vous faire apparaître au milieu de votre Wallmaster ou dans un autre endroit une page internet pour passer vos ordres directement. En fait, finalement, ça sera un lien rapide. Maintenant, si vous avez plusieurs écrans, il sera préférable pour vous, pour une question de confort, de garder votre compte ouvert pour passer vos ordres en direct si jamais vous tradez en temps réel ou sur du court terme. Alors, Joseph me dit « Zoom sur un graphique sans avoir à changer les unités de temps, mais en entourant la zone utile. » Je n'ai pas bien compris. Pour changer une unité de temps, il vous suffit ici de cliquer là où il y a écrit « Principal un jour sur deux ans ». Vous cliquez dessus
et vous choisissez l'unité de temps que vous souhaitez. Sachant que par défaut, on vous en met trois en haut, on vous en propose d'autres en dessous, mais vous pouvez aussi dans période et durée avancée mettre votre propre période. D'accord ? Si je veux du 1 heure, alors je vais vous montrer, hop, du 1 heure sur par exemple, je sais pas moi, une semaine. Donc, une heure sera représentée par une bougie. Une semaine, ça sera notre historique. On valide. Voilà, on a notre graphique en une heure sur une semaine. D'accord ? Donc, vous pouvez bien sûr tout personnaliser. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses aujourd'hui au niveau de la manipulation qui vous semblent difficiles ? Alors, sachez que vous pouvez aussi créer vos propres listes de valeurs pour suivre que les valeurs hein, qui vous intéressent. Soit par le biais en haut de liste de valeurs, vous cliquez dessus, vous faites nouvelle liste. On va la rappeler encore Julie. OK, vous la sélectionnez. Et ensuite, quand vous cliquez sur ajouter, vous pouvez choisir votre option de recherche, soit par nom, soit par code ISIN, soit un mémonyme. Si on met accord, par exemple, on tape accord, rechercher. On sélectionne accord, on confirme et on retrouve donc dans la liste Julie notre valeur accord quittée. Et ensuite, pour retrouver que cette liste qui nous intéresse, donc vous partez dans votre market liste d'instruments, mes listes, on retrouve Julie et on n'a que la valeur qui nous intéresse. Et un double clic pour que le graphique, bien sûr, se mette en phase. Donc Joseph, je vais vous remontrer... Pour remettre les supports et résistances automatiquement, il vous suffit d'aller en haut à gauche sur la baguette magique. D'accord ? Vous cliquez dessus. Vous choisissez Chart Expert Light Détection. Donc, je vais le renlever. Donc, baguette magique. On choisit Chart Expert Light Détection. Ajouter assistant. Et vous validez. D'accord ? Trier une liste. C'est-à-dire, Didier, pour trier une liste, vous avez deux possibilités. Soit vous la triez par ordre alphabétique, d'accord ? Soit vous la triez par ordre d'opportunité. Pour ce faire, si on choisit par ordre alphabétique, il suffit ici dans la colonne « Information sur la valeur » de donner un clic de souris dans le carré bleu. Hop, on est par ordre alphabétique croissant. Si on clique dessus, on est par ordre alphabétique décroissant. Si on choisit de trier notre Market Analyzer par ordre d'opportunité, vous donnez alors un clic de souris dans la colonne Tendance et Timing. Ordre d'opportunité baissière, ordre d'opportunité haussière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, vu que pour le moment, il n'y a pas encore d'autres questions, je vous invite à aller aussi tout en haut dans votre onglet « Communauté Wall Data ». Vous avez « Téléchargement ATX Store ». Alors, « Téléchargement ATX Store », c'est un site internet qui a été créé pour les clients, suivant les demandes qui ont été déjà faites pour du développement ou autre. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement des outils complémentaires dans votre Wallmaster. Vous voyez, bande de Bollinger, squeeze et pic de volatilité. Voilà, je vous invite à aller sur téléchargement ATX Store parce qu'il y a des outils qui sont très pertinents pour confirmer du coup vos prises de décision. Est-ce qu'on peut créer sa liste perso ? Bien sûr, donc vous avez deux possibilités pour créer votre liste personnelle. Soit vous partez donc d'un marché, d'accord ? Donc là en l'occurrence on est sur le CAC 40. Vous allez ajouter les valeurs, bah, par exemple aujourd'hui qui sont toutes en tendance haussière. Donc vous avez la boule grise ici. Vous la sélectionnez, donc ça vous a sélectionné Carrefour, on va sélectionner Solvay, Air Liquide et Danone, parce que ce sont les seuls qui sont en tendance haussière. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, vous faites simplement un clic droit sur une des boules grises et vous faites créer une liste d'après la sélection ou alors ajouter dans une liste existante qu'on aurait déjà créée au préalable. Donc si on fait créer une liste d'après la sélection, on va l'appeler 2014. OK. Quatre valeurs ajoutées dans la liste 2014. OK, super. Maintenant, on va aller la rechercher, cette liste, pour se concentrer que ce qui nous intéresse. Excusez-moi. C'est le vendredi soir, c'est la fatigue. Donc, vous allez ensuite dans « Liste d'instruments »,« Mes listes », on retrouve 2014 et on trie que les valeurs qui nous intéressent. Ça, c'est première
possibilité. Seconde possibilité pour créer une liste, par exemple un portefeuille que vous avez déjà, un compte titre ou un PEA, pour suivre vos valeurs en temps réel, vous allez tout en haut dans l'onglet outils, liste de valeurs, et comme tout à l'heure, voilà, soit vous choisissez une liste que vous avez déjà créée, vous ajoutez les valeurs ici, soit vous en recréez une en cliquant sur nouvelle liste, et puis vous ajoutez les valeurs depuis ici, et vous les triez soit par nom, soit par code ISIN, RGA, etc. Et même principe pour la retrouver, hein. Vous allez dans liste d'instruments, mes listes, et vous choisissez celle que vous souhaitez ouvrir. Alors, pour déplacer... Oui, alors Didier, je vais bien revenir sur ce point-là. Pour déplacer un graphique et le mettre sous forme d'onglet, ou le mettre à droite, à gauche, en haut, en dessous, comme vous souhaitez. Même chose pour les Market Analyzer. Donc, toujours depuis l'onglet outils, Market Analyzer ou graphique, vous sélectionnez ce que vous voulez ajouter. On va reprendre graphique Julie, ouvrir. Vous voyez, on a une page flottante. C'est pas vraiment pertinent là pour faire nos analyses depuis le Market Analyzer. Donc, pour ce faire... Il faut cliquer ici dans la barre bleue. Maintenir son doigt appuyé sur la souris, ce n'est pas un clic droit, c'est un clic gauche normal. Et vous glissez tout en maintenant votre doigt sur la souris, dans la partie graphique, si c'est un graphique et que vous voulez le mettre sous onglet. Et amenez en fait votre souris, le curseur de votre souris, dans le losange qui apparaît. Et vous voyez en fait, les petites fenêtres sont en surbrillance. Ça vous permet de voir où est-ce que vous allez les placer. D'accord ? Et une fois que vous avez trouvé là où vous souhaitez le placer, vous lâchez la souris. Hop ! Donc là, en bas, du coup, j'ai trois onglets. Est-ce que Didier, ça vous va ? Est-ce que vous voulez que je refasse la manipulation ? Ok, génial. Alors, Joseph, vous voulez qu'on revienne sur le retournement de tendance ? Donc, retournement de tendance, vous avez deux possibilités. Soit vous partez de l'espace de travail qui est déjà créé dans votre Wallmaster qui s'appelle « Recherche des retournements de tendance ». Soit vous pouvez bien sûr partir d'un espace de travail personnel ou celui du WTI ou autre et ajouter l'assistant visuel. Donc, l'assistant visuel, voilà, dans la baguette magique ici, vous sélectionnez l'assistant qui s'appelle « Probabilité de retournement », vous ajoutez « Vous validez ». D'accord ? Donc, il va se mettre automatiquement sur votre graphique. Et si on prend, par exemple, Carrefour, tendance haussière, timing d'intervention mauvais, aucune probabilité de retournement, Solvay. Regardez Solvay si c'est pas magnifique. On est en tendance haussière, on est à 10% des conditions de hausse, timing d'intervention trop tard pour intervenir à l'achat. Et regardez ce qu'on nous met au niveau du retournement de tendance. C'est fortement compromis. Pour la tendance haussière, on est quand même à 9 sur 10. Donc là, pour passer à l'achat sur du Solvay, autant réfléchir plutôt 10 fois qu'une. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Écoutez, il n'y a plus de questions. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au 01 58 71 21 99. Ça sera avec joie de vous aider et de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.